Alors le premier accès, ce sera l'aspect ludique, et le deuxième, on espère que ce sera l'aspect culturel, avec les expos notamment, mais aussi la possibilité d'emprunter des livres, que ce soit un lieu d'échange, et que ce soit un lieu d'élévation de notre population la plus jeune. Les anciens, on les laisse maître de leur destin, mais les jeunes, hein, il faut qu'on ait un levier pour les faire accéder aux plus hautes marches. Voilà, donc le jeu c'est bien, mais ce n'est qu'une étape pour, voilà, nous, étape pour les amener vers la culture. Oui, c'est très bien. Le mercredi, et tous les jours des vacances scolaires, hein, sauf grandes vacances, puisqu'il y a, il y a un espace-temps où la médiathèque ferme pour que le personnel puisse pas déployer. Donc c'est 600 euros qui ont été investis dans les jeux, il y a 40 jeux. 40 jeux, 40 jeux. Voilà. Et selon l'engouement, ben on remettra une mouche, une pincée ou une mouche, ouais. En fonction de la durée au final, tu vois, et de la fréquentation. Voilà. D'accord. Non, non. Voilà. Voilà, on va s'il y a vraiment un engouement, s'il y a une demande de spécificité, on tâchera d'accéder aux demandes. Après, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on crée un deuxième espace jeu avec du jeu de rôle. Parce que le jeu de rôle, il amène à la lecture. Parce qu'il y a un maître de jeu et il faut lire. Donc, moi, j'ai cette envie-là, donc j'en ai parlé, mais il faut trouver quelqu'un qui soit à même de faire jouer. Ça va arriver, moi je veux ça, nous on va voir si ça marche pas, et il faut...